À la fin de quoi, une sanction sera, lui, sera réservée, soit la sanction positive, soit la sanction négative. Voilà mon point de vue, cher journaliste. Devrait passer pour représenter ses moyens de défense, mais couvert par l'ordre d'émission, il rentre aujourd'hui à Kinshasa. La séance est prévue pour demain à 11h. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'on soulève la sagesse, comme on dit, du bureau d'âge. Notre doyen d'âge nous a rappelé les principes d'administration chez nous. Le Premier ministre est couvert par un acte administratif qui a prouvé son déplacement vers Lubumbashi. Nonobstant, cela ne fait pas reculer nous, le signataire de la motion, car il sera obligé de se présenter devant la plénière. Même s'il ne venait plus, il n'aura plus un deuxième excuse. La plénière va examiner la motion et la plénière passera au vote. Ce qui est juste, il a déjà consommé les 48 heures qui lui donnaient le temps de démissionner. De ce qui fait que... L'étape de démission, l'acte de démission n'a plus de valeur. Donc malheureusement, ça serait une sanction. Cette sanction va priver ses collaborateurs des indemnités de sortie et d'une sortie honorable. Vous savez, sur le plan de la morale, faire tomber son propre gouvernement par une motion alors qu'on avait la possibilité de démissionner, c'est un acte pas bien. Je ne m'y attendais pas qu'il allait noircir l'ensemble de PV de ses membres du gouvernement. Je ne sais pas si vous avez retenu cette nuance. Donc tous ces membres du gouvernement auront comme point celui d'avoir été sorti d'un gouvernement par une motion de censure. C'est regrettable, c'est le manque de culture de chez nous. Voilà, nous du côté de l'Assemblée, nous nous référons à un autre aîné, qui est le président Mbosso, qui est le président du bureau d'âge, qui nous a conseillé d'accorder 24 heures. Malheureusement, ces 24 heures, les raisons seront toujours les mêmes. La majorité qui a signé la motion, cette majorité va se confirmer aux urnes et va déchoir le gouvernement Ilunkamba. Merci. 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 Honorable Cameroun. Oui, je suis honorable Bilintung, député provincial, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je suis venu encourager les amis, à commencer par mon président Ijama Kaboun, parce que je suis député IDPS. J'ai assisté à cette courte et brève plénière. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais j'ai loué la sagesse du président du bureau d'âge qui a soigneusement pris en compte la préoccupation, celle qui consistait à constater l'absence du Premier ministre couverte par un acte administratif et que la plénière est reportée pour demain à 11h. J'espère que les choses vont se dérouler normalement demain à la plénière de 11h. Merci. C'est moi qui vous remercie. On aura beaucoup de lingala, un petit peu mon abonné plénière, les acquis bongo suspendus, ni ni au bas congolais, bah beaucoup comprendre pour le plénière. Les bas congolais, bah comment la plénière déjà suspendue. Ah, merci vraiment pour la chargeur, voilà. Les congolais vous donnent, nous sommes déjà monsieur. Mais d'abord, la haine est en boîte été. C'est pas grave, on a le droit de faire, mais on peut tout appeler censé. Il y a besoin de vous prendre les rages. Ça fait 14 déjà signé par le président du bureau d'âge.
Merci, honorable. Non, merci, pas de problème. Merci. Dadi, ne bouge pas. Pardon, pardon. Non, la carrière photo, tant vous avez. Fais bien la face. S'il vous plaît, honorable. À qui est-ce? Azali. C'est nous qui avons investi Lunkamba. Il n'a aucun droit de porter atteinte à l'honneur, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Là, il risque même, n'est-ce pas, il pourrait y avoir même des poursuites judiciaires. Parce qu'il ne vient pas demain, il aurait outragé, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Là-dessus, si ça ne se négocie pas, il va y avoir des poursuites judiciaires. Il sera humilié comme un enfant, sera chassé de la primature comme un chien. Honorable, qu'est-ce que la population peut retenir de la façon, de la geste, de ces gestes dont vos collègues viennent de faire? Ils n'ont pas signé l'affiche des participations, mais ils ont demandé la parole et finalement ils ont claqué la porte, ils sont partis. Nos collègues sont dans l'apprentissage de l'opposition. C'est une école, l'opposition. C'est un apprentissage. Ils apprennent comment réagir devant leurs droits. C'est leur loi, c'est de leur droit. Moi je crois que ce n'est qu'un début du commencement. Certains à Lingala sont en train de dire Bakomessana. Voilà, c'est que la population peut retenir. Je vous en prie. Cette sagesse de remettre à demain pourvu qu'il n'y ait pas une raison. C'était trop sage, donc on a encore accordé un sursis pour que le Premier ministre puisse venir se défendre. Mais s'il ne venait pas, comme je l'ai dit, ça sera un manque de considération envers le Parlement. Et je crois que s'il ne venait pas, vous verrez que la machine sera déclenchée et il sera out. Merci honorable. C'est moi qui vous remercie. Vous avez